Journée porte ouverte ce vendredi à la Bibliothèque nationale à Impéflou. Les habitués ont répondu présents, d'autres visiteurs en ont franchi le seuil pour la première fois. Il est 10h et le personnel a déjà fait son 5e tour de visite pour étudiants. Au rez-de-chaussée, l'espace grand public est divisé en deux parties. Un espace dédié aux adultes avec des livres de tout genre, mais surtout les nouveautés. À côté, un espace dédié spécialement aux enfants avec des bancs et des tables pour la lecture. Cette partie du rez-de-chaussée est le coup de cœur des visiteurs. Des livres en français, traduits en malgache dont le fameux Gargantua, ainsi que de grands classiques malgaches comme l'histoire d'Ikutfet et Imaaka et de Ratsimba. Les nouveautés des maisons d'édition malgaches aussi, comme la traduction en malgache de l'ouvrage « Les Robinsons de l'île Tremblin ». Un espace a été aménagé pour permettre de jouer à des jeux de société, échecs, Scrabble et bientôt des jeux culturels malgaches comme le Fanoun et le Catch. Il y a aussi une série de documentaires scientifiques à visualiser sur place. Au deuxième niveau, l'espace numérique et les archives. Ici, on peut visiter soit la bibliothèque numérique, soit les archives numériques. Des ordinateurs sont mis à disposition pour écouter aussi les disques d'antan. Les tablettes permettent de parcourir d'innombrables images d'archives. À l'entrée, des quotidiens du jour pour ceux qui aiment suivre les actualités. Les premiers journaux malgaches sont affichés dans une vitrine pour les amoureux de l'histoire. Tous les journaux officiels depuis 1910 disponibles sur place et leur numérisation est aussi en projet. À un niveau plus élevé encore, l'espace Dormanour, ce compteur Antakaran, grand tome de la littérature malgache, se subdivise en deux espaces. Un espace réservé aux recherches et à la documentation et un autre réservé à la découverte des autres pays à travers les livres. Mbola tsy nandeha tia mihitsy ny avo an'ny vao ato. Na eny hoe na vao izany bibliothèque nationale dia tonga hijery satria efa aty anaty koa ilay fitiavana aty mamaky boky. Tsy araka ny eritreretina mihitsy, mihoatra noho ny eritreretina aza. Misy boky tena mbola vaovao be, mbola vaovao ihany koa no auteur nanao azy.